un bisou ou bien bécoyer, on peut comprendre. Mais écarter jusqu'à enlever, caler, c'est écarter qu'on non. Tiens. Hey! Au cas où aussi il y a un coin, peut-être hôtel là-bas. Ben au bar, s'il y a personne dans le bar, ça peut se faire. Venez, oh, venez. Chers internautes, j'espère que vous allez bien. Le nouveau numéro de jeudi est sur. Peux-tu accepter de faire l'amour en public? Peux-tu faire l'amour en public? C'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, si ce n'est pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo massivement. Invitez vos amis à s'abonner. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Ok, ce matin j'ai une petite question pour vous. Peux-tu accepter de faire l'amour en public? Non, impossible. Pourquoi impossible? Ah, c'est le public, j'ai ma dignité. C'est impossible, c'est le public, j'ai ma dignité. Au moins si c'est bisou ou bien bécoyer, on peut comprendre. Mais écarter jusqu'à enlever, caler, c'est écarter qu'on non. Tiens. Possible même. Aussi c'est que ça soit bécoli et tout là tu peux. Voilà. Je peux embrasser mon chéri en public. Il n'y a pas à faire de honte de ça. Aïe, bisous, bisous. M'enlever quand ils sont écartés devant les gens. J'ai ma dignité, je suis une femme. Tu as ta dignité, tu peux pas. Mais en public, ça peut être à la plage. À la plage. À la piscine. Comment mais Dieu merci, je ne vais pas à la plage. Piscine même impossible. Au moins si c'est piscine privée, résidence, toi et puis ton chéri. Voilà. Je peux comprendre. Mais piscine publique à non. Là tu peux pas. Privée, non, je ne peux pas. Ok, impossible. Mm-hmm. Merci pour ton avis, si on se dit au revoir, bye. Bonjour madame. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va. Ok, ce matin j'ai une petite question pour vous. Peux-tu accepter de faire l'amour en public? Bon, c'est une question vraiment très délicate. Bon, ça dépendra. Ça dépendra de quoi? Bon, si c'est faire l'amour avec ton amour, c'est-à-dire celui que tu aimes, je pense pas le faire en public comme cela. Mais si peut-être ou soit quelque chose de ce genre-là, oui. Là c'est une obligation, on t'oblige à le faire. C'est ça. Mais avec ton chéri, ça peut être à la plage, au bar. Ben au bar, s'il y a personne dans le bar, ça peut se faire. Oui, il y a les bars où il y a des personnes, mais c'est vieille, c'est entre toi et ton chéri, ça peut aller rapidement. Voilà, oui, bien sûr. Là, je peux le faire. Ah oh là là. Ok, merci pour votre avis. Sans se dire au revoir. Bonne journée. Okay, merci. Bonne journée à vous. Merci. Bonjour chérie. Bonjour. Comment tu vas? Bien. Ok, ce matin j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu vas accepter de faire l'amour en public? Non. Pourquoi? Ah, parce que les gens sont là, c'est pas bon. Tout le monde nous regarde et puis on fait ça. Non, dans la chambre au moins c'est bon. Mais... dans la piscine, dans la chambre, mais c'est pas où on. Les gens vont nous voir là, non, c'est pas bon. Mais dans la piscine aussi, c'est en public aussi, il y a les piscines qui non, sont... Non, piscine publique. Eh, privée, piscine privée. Donc, on peut être dedans, nous deux. Mais les autres, bon, on ne peut pas nous voir. Non, mais, piscine privée. Et à la plage, là-bas, là, c'est public, il y a beaucoup de... Non, la plage, il y a maison à côté. Non, souvent, c'est dans l'eau, là, vous faites. Ouais, dans l'eau, ouais, dans bas de l'eau. En bas de l'eau. Oui, mais ceux qui sont mamie ou attala, ils sont les petits. Non, attends qu'on nous voit, mais elles sont à côté, là. Mais Dieu. Si vous êtes au marché, qu'il y a les petits recoins qui disent, ah, chérie, allons, j'ai une table face. À l'hôtel, jamais. Sur table, tu vas. Non. Bon, supposons que c'est dans maquis et puis il y a un coin VIP. Ah, ouais. Ça, c'est ouais. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Ok, merci pour ton avis, si on se dit au revoir, bonne journée. Merci. Bonjour chérie. Bonjour madame. Comment tu vas? Je vais bien. Ok, ce matin j'ai une petite question pour toi. J'aimerais savoir si tu peux accepter de faire l'amour en public. Non. Et pourquoi non? Parce que je ne peux pas. Parce que tu ne peux pas. Mais c'est ton chéri, hein. C'est ton chéri le titulaire. Non, je ne peux pas. C'est celui-là, même si c'est celui-là, même que quand tu ne vois pas, tu n'arrives pas à dormir, tu ne vas pas accepter si tu le dis. Non. À la plage, à la piscine, tu ne vas pas accepter. Non, non. Au cas où s'il y a un coin, peut-être hôtel là-bas. À l'hôtel restaurant. Oui, oui. Là, tu peux accepter. Là, je peux accepter. Si c'est plein air comme celui-là, la plage, tu ne peux pas accepter. Non, je ne peux pas. Ok, merci pour ton avis. Si on se dit au revoir, bonne journée. Ah, merci beaucoup. Merci. Bonjour, mes chéris. Bonjour. Comment vous allez? Nous allons bien. Ok, ce matin, j'ai une petite question pour vous. Okay. Est-ce que vous pouvez accepter de faire l'amour en public? Non. Pourquoi? Oui, ça ne va pas. Par exemple, c'est mon gars. Il m'invite.
et il me dit de faire l'amour en public. Je ne peux pas parce que il y a une chambre où on peut aller faire l'amour. On ne peut pas faire l'amour en public. Moi, en tout cas, c'est tellement chez moi, je ne peux même pas. Parce que j'ai tellement honte de faire les... Même souvent, quand il marche chez mon gars, mais je suis pas obligée d'attraper sa main. Comme ton gars. Oui, oui. Ah ouais, non, tu sais pas si... T'es aujourd'hui... Je peux pas. Je peux vous l'embrasser en public. Vous l'embrasser, mais moi, je n'ai pas de faire. Juste à ce que lui et moi, on fera l'amour en public. Non, jamais, je ne veux pas. Donc toi aussi, tu ne veux pas embrasser ton homme? Non, je ne veux pas. Embrasser seulement. En plus ça, là. Même si vous êtes en public, que ce soit au marché, dans le bar, où il y a les VIP, là, vous n'allez pas accepter. Jamais. Parce que c'est là. C'est même pas bon du tout, même. C'est une manière de se voir en public. Non, moi, j'aime pas ça. Tu n'aimes pas le match. Ok, merci pour votre avis. Si ça se dit au revoir, bonne journée. Oui, merci. Merci. Chers tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez aimé la vidéo, vous avez aimé l'émission. Nous sommes au terme de notre émission maintenant. Voilà. Nous avons pu recueillir des personnes qui ont répondu à leurs avis. Sur ce, on se dit à bientôt. J'espère que vous avez aimé. À bientôt.